Chers téléspectateurs de Zouetian, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ. Chers Togolais, Midok Bena Milo, le Yesus Ben Komé, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ. Le mois de mars est pour nous un mois familial, dédié à la famille, à la consécration de nos familles devant l'Éternel, notre Dieu. C'est le mois où nous luttons pour la destruction des autels familiaux. Des autels qui parlent contre nos vies, contre notre mariage, contre notre santé, contre nos projets, contre nos affaires, venant de la maison de notre père ou de la maison de notre mère. Le Seigneur veut apporter la délivrance à chacun d'entre nous, à nos enfants qui parfois peuvent éprouver des difficultés scandaleuses dans leur vie étudiantine, dans leur vie d'affaires, de projets, etc. Et beaucoup de parents et beaucoup de familles ont des enfants et des représentants dans d'autres nations qui n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ce qu'il y a un groupuscule de sorciers pratiquant la magie pour détruire la vie et la destinée de ceux qui ont un avenir sur la terre des vivants. Alors le mois de mars consistera à détruire toutes ces fondations maléfiques. Et le mois de mars, le mois spécial Togo, la main de l'Éternel se manifestera avec autorité, avec puissance. Tout le mois de mars, à Sakbato Logote, tous les mercredis, jeudi, vendredi, à 17h, et les dimanches à 17h, ne manquez pas du côté de Sakbato Logote, quel que soit votre problème. Alors, il faut dire que la première journée du mois de mars est consacrée à l'Éternel. Et vous êtes conviés, le 1er mars, jeudi, le 1er mars, à partir de 17h, je vous convie tous, retrouvons-nous tous à Sakbato Logote. Quelle que soit votre maladie, ce mois-ci, le Seigneur vous guérira. Quelle que soit votre situation, le Seigneur résolvera votre problème. Il faut noter que du côté de Sakbato Logote, vendredi le 23 mars, c'est la grande nuit de prière internationale. La grande nuit de prière internationale. Sous le thème « Seigneur expose les ennemis cachés de ma famille ». Voilà le thème du mois de mars. La parole de Dieu sera enseignée avec autorité. La puissance de la prophétie se manifestera. Les choses cachées que vous-même vous ne connaissez pas, vous seront révélés par la puissance de la prophétie. La Bible appelle Dieu le Père des esprits, des prophètes. Des malades seront guéris, s'il vous plaît. Que ce soit Kara, que ce soit à Lomé, vous souffrez d'une maladie, qu'elle soit mystique ou bien naturelle, que ce soit une maladie curable ou une maladie incurable, je vous en supplie, ne manquez pas la grâce de Dieu dans ma vie pour proclamer votre délivrance. Vous sentez que la sorcellerie vous a attaché. Vous n'arrivez pas à vous épanouir dans la vie. Tout ce que vous entreprenez échoue. La main de Dieu du côté de Lomé et du côté de Kara tout au long du mois de mars. La main de l'Éternel se manifestera. Dimanche, le 25 mars, nous avons le grand culte familial du côté de Lomé, Sakbato Logote. C'est un culte de consécration de nos familles à l'Éternel, notre Dieu. Nous nous présentons, nous et nos familles, selon ce qui est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour nous consacrer à Dieu et renouveler notre alliance avec le Dieu qui nous a sauvés par le sang de la nouvelle alliance. Alors, ce sera un culte spécial où chaque famille se présente devant l'Éternel avec son offrande familiale et la main de Dieu se manifestera avec autorité. Pour la conférence des bienfaiteurs et des bâtisseurs de la maison de l'Éternel ce samedi 17 mars à Lomé, samedi 17 mars à Lomé, ce sera à partir de 17h à Sakbato Logote. Vous voulez être bienfaiteur, vous voulez être partenaire de cette grande commission, alors à partir de maintenant, revendiquez votre enveloppe de bienfaiteur, votre enveloppe de bâtisseur de la maison de l'Éternel et ne manquez pas la grande conférence internationale des bienfaiteurs samedi le 17 mars à Sakbato Logote. Ah, il faut dire que c'est le mois de la famille. Chaque famille, chaque membre de chaque famille doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. À Sakbato Logote, chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur pendant la nuit de prière internationale. Les gens viendront de partout, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, etc. Nous vous invitons, tous les pays environnants, ne manquez pas et la grâce de Dieu sera dans votre vie. Chacun avec sa bouteille d'huile de faveur pour prendre cette onction qui brisera le joug dans nos vies. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et nous disons Yesu Agbe.